Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Jean Moulin Info TV au CDI pour un cours d'anglais qui va durer 2 heures pour faire un escape game sur le thème de Sherlock Holmes. Professor Moriarty has kidnapped Sherlock Holmes. So look! Poor Sherlock Holmes! Sherlock Holmes is very sad. And you have 2 hours. 2 hours to set him free. First, you must get a box. So, for example, this is a pink, or the pink group. What color are you, boys? Red. And you can use your bilan, it's okay. You can use headphones. So, equipment. You can use a computer, and you can use headphones. Number one, first group, okay? This is for number two, this is for number three. Ah bah oui, il y a une fiche dedans. Ah. Allez, on avance. On a dû chercher un livre avec dedans message. Un deuxième message. Juste comme ça, donc Clémence, on ne peut pas forcément savoir ce que c'est. Allez, sur une. Alors vous êtes le groupe numéro 1, quelles sont vos impressions finales? C'était bien, on s'est amusé. Tu vois, tu peux expliquer ce que tu fais? Bah là, c'est étiez vous motivé pour ce projet? Oui, parce qu'on l'a fait et c'était vraiment sympa. Ce qu'on a fait. Bravo Antoine. Ouais, bah ouais, moi je trouve que c'était sympa. Déjà, ça change des cours, c'est un peu plus fun. Ça change de tout ce qu'on fait d'habitude et c'est la première fois que je fais un escape game avec la classe. Ouais, franchement, c'était bien, plus c'est le fait qu'on soit en groupe, c'est super drôle. Ouais, c'était super bien parce qu'on a vraiment pu travailler en équipe, ça nous a fait beaucoup réfléchir. Vraiment, les énigmes n'étaient pas faciles et c'était vraiment super, ça change vraiment de l'ordinaire. C'est vrai que c'était très drôle, mais très difficile. C'était bien de travailler en équipe, ça nous fait connaître d'autres personnes et aussi de s'amuser avec ses amis.